En tant que druide et doyen, je dois faire face à mes responsabilités. Toutes ces années sans Anacro, pas une fois je ne me suis même tordu la cheville. Pas une fois. Et là, d'un coup, sans prévenir, crac ! À partir de maintenant, je ne dois plus être le seul à connaître la formule de la potion magique. Quoi ? Je vais donc partir à la recherche d'un jeune successeur à qui j'enseignerai la recette de la potion magique et qui deviendra le nouveau druide du village. Quoi ? Il parle d'une recette! Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi est-ce qu'on choisit forcément le plus sourdingue pour aller écouter au pauvre? Oh, tout Atis! Serait-ce toi? M'invites-tu en ton abalon la secrète où les pommes poussent toute l'année? Il parle de pommes! Une recette avec des pommes? Une tarte aux pommes? L'arrêtez! J'ai entendu! Pommes! T'es sûr que t'as bien compris, Chouchounet? T'es sûr que t'es pas sourdingue, Chouchounet? J'ai une question. Si c'est un autre druide qui fabrique la potion magique, est-ce que j'aurai enfin le droit de la goûter ?